Cela fait des années que Michel Corny consacre son temps libre au plus vieux cinéma du monde et à son histoire. Il est heureux que l'Eden Théâtre ait enfin retrouvé son lustre de l'époque des Frères Lumière. C'est à la fois enthousiasmant et surprenant. Enthousiasmant parce que c'est le résultat d'une lutte de 33 ans que d'autres, que moi, ont mené bien avant, hein, à travers le Festival du Berceau du Cinéma. Et puis c'est surprenant parce que je ne m'imaginais pas un résultat aussi fort, aussi joli, aussi beau. C'est fabuleux ce que les architectes ont réussi à faire de la vieille bâtisse qu'on leur a confiée. Tout a été restauré à l'identique pour un lieu chargé d'histoire et pour beaucoup de ciotadins, de souvenirs. Alors ici, on est chez les mauvais garçons, chez les enfants du paradis. C'est-à-dire, c'est ici que les garçons venaient à la fois pour regarder le film, bien sûr, mais aussi pour surveiller les jeunes filles qui étaient en bas. Et évidemment, tentative d'approche, hein. Conserver l'esprit de l'Eden Théâtre en y intégrant les technologies modernes, c'est le défi qu'a relevé avec plaisir l'architecte marseillais André Stern. Aujourd'hui, mon historien préféré, Michel Corny, vous a dit qu'on a du 3D, on a toutes les dernières techniques du cinéma. Mais quand on le regarde, cheveux qui est, si vous voulez, c'est une vieille dame qu'on doit beaucoup aimer. Le cinéma a bien changé depuis les films des Frères Lumière. Ce soir, un hommage leur sera rendu avec une projection sur la façade de l'Éden avant la première séance, demain soir.